Le Familistère de Guise, dans le département de l'Aisne, à quelques kilomètres de la Belgique. Une expérience unique d'architecture utopiste menée en France durant la seconde moitié du 19e siècle, sous le Second Empire. Le Familistère fut une véritable cité habitée par plus d'un millier de personnes. Il offrait à une population ouvrière non seulement le confort de quelques 300 logements, mais aussi un ensemble de services exceptionnels pour l'époque. Sa renommée internationale lui valut la visite de Zola, d'Hector Malo, les commentaires de Engels. Aujourd'hui, le Familistère est toujours habité par quelques 700 personnes. La révolution industrielle a jeté sur les routes des millions de personnes. Une nouvelle classe sociale, le prolétariat, vit partout dans des conditions d'insalubrité effroyables. La question du logement ouvrier fait son apparition. La plupart des cités ouvrières sont des initiatives privées. Les patrons ont tout intérêt à retenir près de leurs fabriques une main-d'œuvre encore vagabonde. Le fondateur du Familistère, Jean-Baptiste André Godin, n'est pas un industriel comme les autres. Cet ancien artisan serrurier, né dans la région en 1817, doit sa fortune à l'invention d'un poêle auquel il a donné son nom. L'usine débute en 1846 avec 30 ouvriers. 10 ans plus tard, ils sont 330. Une population rurale, recrutée sur place, et pour laquelle, comme partout ailleurs, aucune habitation ouvrière n'existe encore. Godin, qui n'a pas oublié la misère de son propre compagnonnage, s'est juré d'améliorer leur sort. Godin a acquis un terrain de 6 hectares, niché dans une boucle de l'Oise. Les travailleurs n'auront qu'un pont à traverser pour rentrer chez eux. La façade du Familistère donne sur la ville, l'arrière sur la campagne. Pour réaliser son projet, l'industriel se transforme en architecte. Godin trace lui-même le plan de sa cité, pas de geste architectural, mais un programme, comme un catalogue de poêles avec son mode d'emploi. Le principe des habitations est simple. 3 parallélogrammes reliés entre eux par des passages. Au centre de chaque édifice, une vaste cour recouverte par une verrière. Chaque bâtiment représente une unité d'habitation autonome, ce qui permet à Godin d'étaler la construction dans le temps. L'aile gauche et le bâtiment central sont aujourd'hui encore dans leur état initial. L'aile droite a été reconstruite en 1923, bien après la mort de Godin, mais dans un style différent. Pavillon d'angle, rotonde, tourne le dos à la simplicité du bâtiment d'origine. La vieille ville de Guise regarde surgir d'un mauvais œil cette cité qui la défie et qu'elle surnomme le tas de briques. Le Familistère lui fait concurrence. Appartements et magasins y sont moins chers, autant de clients perdus pour elle. Comme toute la bourgeoisie, elle dénonce aussi dans cette concentration de familles ouvrières un danger pour la tranquillité publique, un foyer de sédition. Pour Godin, au contraire, l'habitat collectif est le logement des temps nouveaux. Il offre au plus grand nombre des services inaccessibles autrement, ce que Godin appelle les équivalents de la richesse. L'idéal du progrès, dit-il,
doit s'incarner dans une forme architecturale supérieure qui serait aux petites maisons ce que la grande usine est au petit atelier. Derrière tous ces principes, il y a une idéologie. Gaudin est aussi un militant politique. Il a découvert dans sa jeunesse, à travers un article du Guetteur de Saint-Quentin, la pensée de Charles Fourier, mort en 1837, une des grandes figures de ceux que Marx a qualifiés de socialistes utopistes. Fourier a imaginé un nouvel ordre social, dont la base est une petite communauté de personnes qui travaillent et vivent ensemble dans un même bâtiment, le phalanstère. Le phalanstère doit surpasser la demeure des rois, et le plus beau des palais alors, c'est Versailles. Fourier semble s'en être inspiré en reprenant cette disposition d'un bâtiment central, flanqué d'ailes, qui délimite une place de parade. Dans son premier dessin, Gaudin reprend ses dispositions classiques. Un clocheton rappelle le château, mais finalement Gaudin le fera dériver vers un motif régional qu'on retrouve dans toutes les Flandres, le pignon en pas de moineau. 1865, la dernière aile n'est pas encore construite, mais c'est bien un palais que les visiteurs viennent admirer à Guise. Des portails, un mur d'enceinte soulignent le domaine. À côté, les économas qui regroupent les magasins et les écuries du Familistère font figure de ferme du château. Mais ce palais-là n'est pas destiné au seul roi. À l'intérieur, il n'y a pas de hiérarchie sociale. Ouvriers, ingénieurs et jusqu'au patron, tous habiteront là ensemble, dans le palais social. Le Familistère est construit en briques, le matériau traditionnel de la région. L'enduit blanc qui recouvrait les premiers bâtiments a vite disparu. Reste la modénature, le jeu sur le relief des matériaux qui est soigné tout en restant rudimentaire. Sur le théâtre et les écoles, Gaudin invente un autre jeu avec la brique. Un motif aujourd'hui effacé, une sorte de décoration avec les moyens du bord. En jouant uniquement sur la couleur des joints, rouge et blanc, il parvient à créer un genre de résille, un dessin qui rappelle les alvéoles de la ruche.